Chers téléspectateurs, en ce jeudi saint, les franciscains de Terre Sainte et le centre multimédia de Terre Sainte vous souhaitent la bienvenue à Gethsémani. Nous sommes sur le mont des Oliviers, près de la basilique de l'Agonie, pour faire mémoire de l'enseignement de Jésus. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Nous passerons une heure sainte en priant et en méditant les Écritures. Nos frères juifs ont célébré la Pâque, le mémorial de la sortie d'Égypte, lundi soir. Les chrétiens, orthodoxes et latins ensemble, célébreront dimanche prochain la Pâque de Jésus. Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra, nous dit l'évangéliste Saint Jean. Nous sommes là dans le jardin des Oliviers. Et ce jardin rappelle le jardin de la Genèse, où Adam fut tenté par le diable. Après sa chute, Adam fut chassé de ce jardin d'Éden. Jésus, lui aussi, sera tenté par le diable qui est entré en Judas, mais il sera vainqueur. Saint Augustin nous rappelle que, en Adam, tous les hommes sont tentés. Seuls ceux qui demeurent dans le Christ seront vainqueurs de la tentation. Ce jardin rappelle également le jardin du Cantique des Cantiques, où l'époux a rencontré l'épouse. L'alliance annoncée par les prophètes est toujours symbolisée par les épousailles. Et cette alliance sera scellée demain, vendredi saint, dans le sang du Christ. Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. La cérémonie commence par ce rappel de l'Écriture. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Surgite eamus. Le custode de Terre Sainte préside cette cérémonie et passe dans ce jardin où se trouvent les oliviers qui ont plus de 10 siècles d'existence, qui attestent de leur présence la construction de la basilique et en même temps atteste la prière de Jésus dans ce jardin. La procession se rend maintenant vers la basilique de l'Agonie, où le cœur du Magnificat de la Custodie de Terre Sainte et le cœur Sainte Angela de Hongrie exécuteront les chants ce soir. La procession arrive dans le cœur de la basilique où vous avez vu la mosaïque qui représente le Christ en prière. Le Christ qui accepte de boire la coupe de la volonté de Dieu. Après avoir célébré la Pâque juive, après avoir bu les 4 coupes du Seder Pascal, Jésus va boire la 5e coupe. La coupe d'Élie, il acceptera de faire la volonté de Dieu. Je
Augusto de Terre Sainte répand maintenant des pétales de rose sur la pierre de l'agonie. Ces pétales de rose symbolisent le sang du Christ. C'est là que le Christ a souffert, il a sué du sang. Les pèlerins qui connaissent cette basilique se souviennent que l'autel a une forme spéciale. L'autel a la forme d'un calice, parce que Jésus boit le calice que le Père lui a préparé. Il accepte de faire la volonté de Dieu. Sont accourus très nombreux cette année. À eux se sont joints les chrétiens latins de Jérusalem et en même temps ceux des autres communautés. C'est une célébration œcuménique puisque les Syriens catholiques, les Melkites et les autres chrétiens y participent. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. L'Église de Jérusalem s'est rassemblée ce soir à Gethsémanie pour faire mémoire des événements du salut qui se sont déroulés ici la veille de la Passion de Jésus. Nous allons méditer trois étapes importantes relatées par les évangélistes. L'annonce de la trahison de Pierre et la fuite des disciples, l'agonie de Jésus dans le jardin et finalement son arrestation. Un psaume introduira chacun de ces moments, nous permettra de méditer les textes évangéliques qui suivront. Un moment de silence, suivi d'une prière, conclura la lecture de l'Évangile. Notre veillée de prière se terminera par une prière universelle et par la récitation du Notre Père. لنقتدي بها في حياتنا تعقب فترة الصمت صلاة الكاهن الذي يرأس الاحتفال نبدأ الاحتفال بالابتهال إلى الله كي يمن علينا بنعمة الصلاة ونختمه بطلبات المؤمنين وأخيرا صلاة أبانا الذي مرتلا. La même admonition est répétée maintenant en anglais. The Mother Church of Jerusalem, we have come together at Gethsemane
to commemorate the salvific events that took place in this holy place on the eve of our Lord's Passion, recalling the three principal moments as narrated by the Gospels. We will be reflecting upon Christ's prediction of Peter's denial and the subsequent fleeing of his disciples, Christ's agony in the garden, and finally his arrest. A psalm which will introduce each of the three moments will put us in the right spirit to accept the appropriate gospel readings that will follow. A short period of silence and a concluding prayer will follow the gospel readings. A universal prayer and the Our Father will conclude our celebration. Oremus cum Christo ad tentationum pericula superanda. Flectamus genua. Nous prions à genoux. Avec le Christ, nous demandons la grâce de surmonter les tentations. Domine Jesu Christe, qui in orto verbo et exemplo nos orare docuisti. Tu es par ta parole et par ton exemple le modèle de la prière pour surmonter les tentations. Donne-nous d'être fidèles à la prière pour en goûter les fruits. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Levate. Le cœur chante l'antienne, mon Dieu, délivre-moi de la main des pécheurs. C'est le psaume 54 qui est récité maintenant en espagnol, la prière d'un persécuté. Entends, ô Dieu, ma prière, ne te dérobe pas à ma supplique. Donne-moi audience, réponds-moi, je divague ma plainte. Je frémis sous les cris de l'ennemi, sous les huées de l'impie. Ils font crouler sur moi la misère, avec rage ils m'accusent. Mon cœur se tord en moi, les affres de la mort tombent sur moi. Crainte et tremblement me pénètrent, un frisson m'étreint. Et je dis, qui me donnera des ailes comme à la colombe, que je m'envole et me pose. Voici, je m'enfuirai au loin, je gîterai au désert. J'aurai bientôt un asile contre le vent déchaîné et l'ouragan qui dévore, Seigneur, et le flux de leur langue. Je vois en effet la violence et la discorde dans la ville. De jour et de nuit, elle tourne en haut de ses remparts. Peine et misère sont au-dedans. Dieu, délivre-moi de la main des méchants.
La suite du psaume est récitée en allemand. Si encore un ennemi m'insultait, je pourrais le supporter. Si contre moi s'élevait mon rival, je me cacherais de lui. Mais toi, un homme de mon rang, mon ami, mon intime, à qui m'unissait un doux commerce dans la maison de Dieu, qu'il s'en aille en tumulte, que sur eux fonde la mort, qu'il descende vivant au Sheol, car le mal est chez eux. Am Abend, am Morgen, am Mittag seufze ich und stöhne, er hört mein Klagen. Vers toi, j'appelle. Er befreit mich, le Seigneur me bringt sauve. Mein Leben in Sicherheit vor denen, le soir, die gegen le matin mich et à midi, je me plains et frémis, sind, il entendra mon cri. Gott hört mich und beugt sie nieder. Er, sa der als König thront seit Ewigkeit, de la gueule, dem sie, denn sie kehren nicht um und fürchten, wirf deine Dieu Sorge auf den Herrn. Er hält dich il les humiliera, lui qui trône dès l'origine. Pour eux, point d'amendement, ils ne craignent pas Dieu. C'est l'évangile de l'annonce du reniement de Pierre qui est lu en différentes langues. Passio Domini nostri Jesu Christi secondo Matteo. C'est d'abord la version de l'évangile de Saint Matthieu en arabe. وخرجوا إلى جبل الزيتون. فقال لهم يسوع: سأكون لكم جميعا حجر عثرة في هذه الليلة. فقد كتب سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع. ولكن بعد قيامتي أتقدمكم إلى الجليل. فأجاب بطرس: إذا كنت لهم جميعا حجر عثرة فلن تكون لي أنا حجر عثرة. فقال له يسوع: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. فقال له بطرس: لست بناكرك، وإن وجب علي أن أموت معك. وهكذا قال التلاميذ كلهم. Verbum Domini. La version de l'évangile de Saint Marc qui est proclamée maintenant en anglais. Passio Domini nostri Jesu Christi secondo Marco. After the psalms had been sung, après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: tous vous allez être scandalisés, car il est écrit: je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit: même si tous sont scandalisés, moi je ne le serai jamais. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Mais lui reprenait de plus belle: dussé-je mourir avec toi? Non, je ne te renierai pas. Et tous disaient la même chose. Verbum Domini. Passio Domini nostri Jesu Christi secondo. Version de l'évangile de Saint Luc au chapitre 22. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour que vous passiez au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur,
Avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Jésus reprit : « Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que par trois fois tu n'aies affirmé que tu ne me connais pas. » Puis il leur dit : « Quand je vous ai envoyé sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? » Ils lui répondirent : « Mais non. » Jésus leur dit : « Eh bien, maintenant, celui qui a de l'argent, qu'il en prenne. De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture : il a été compté avec les pécheurs, de fait, ce qui me concerne va se réaliser. » Verbum Domini. Oremus cum Christo ad firmitatem fidei obtinet. Demandons au Seigneur une foi solide. Oremus. Seigneur Jésus-Christ, tu as annoncé à Pierre son reniement et tu as prié pour lui afin qu'il soit rétabli dans la foi par ta grâce. Donne-nous, à nous qui sommes éloignés bien des fois de tes préceptes, de confesser ton nom et de ne jamais plus te renier. Et nunc a tui negatione macedamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Levate.
cœur reprend l'antienne. Mon esprit connaît l'angoisse, mon cœur est troublé. Ansiatus est in me, spiritus meus, in me turbatum est core meum. Ansiatus est in me, Psaume 61 introduit la deuxième partie. In God alone is my soul at rest. En Dieu seul le repos pour mon âme, de lui vient mon salut. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je ne broncherai pas. Jusqu'à quand vous ruez sur un homme et l'abattre tous ensemble, comme une muraille qui penche, une clôture qui croule? Duperie seulement leur projet. Leur plaisir est de séduire. Le mensonge à la bouche, ils bénissent. Au-dedans, ils maudissent. En Dieu seul repose mon âme. De lui vient mon espoir. Lui seul est ma citadelle, mon rocher, mon salut. Je ne bronche pas. Mon esprit connaît l'angoisse, mon cœur est troublé. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle. Les fils des hommes, un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu, à toi Seigneur la grâce. Et ceci, tu rends à chaque homme selon ce qu'il fait. L'évangile de Saint-Luc est proclamé en latin et nous rappelle la prière de Jésus à Gethsémane. Jésus sortit alors et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers. Les disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ et fléchissant les genoux, il priait. « Père, disait-il, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait.
On croit à la détresse, il priait de façon plus intense. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint à ses disciples et les trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Qu'avez-vous à dormir ? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Et fatus est sudor, eius sicut gutes sanguinis decurrentis in terram. Et cum surresiset ab oratione et venisse a discipulos. Invenieus dormientes pre tristitia et a igilis. Qui dormitis, surgite, orate, ne intreites in tentationem. Verbum Domini. La version de l'évangile de saint Matthieu est lue maintenant en arabe. Le Seigneur soit avec vous. Faslun Sharif min Bisharat al-Qaddis Matta l'Injili البشير المجد لك يا ربنا Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, restez ici, tandis que je m'en vais prier là-bas. Prenant avec lui Pierre et les deux autres fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Étant allé un peu plus loin, il tomba la face contre terre en faisant cette prière. Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas ce que je veux, mais comme tu veux. Il revint vers ses disciples et les trouva en train de dormir. Il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. À nouveau, pour la deuxième fois, il s'en alla prier. Mon Père, dit-il, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva à nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient apesantis. Il les laissa. Il alla encore prier une troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors il revint vers les disciples et leur dit, désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici venue l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici tout proche est celui qui me livre. يا أبتي إن لم يكن ممكنا أن تبتعد عني هذه الكأس أو أشربها فليكن ما تشاء ثم رجع فوجدهم نائمين لأن النعاس أثقل أعينهم فتركهم ومضى مرة أخرى وصلى ثلاثة
فردد الكلام نفسه ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم ناموا الآن واستريحوا ها قد اقتربت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين قوموا ننطلق ها قد اقترب الذي يسلمني كلام الرب التسبيح لك La version de l'évangile de Saint Marc est lue maintenant en italien. Passio Domini nostri Gesù Cristi secundum Marcum. Giunsero ad un Ils parviennent à un domaine appelé Gethsemane. Jésus dit à ses disciples, restez ici tandis que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir effroi et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Étant allé un peu plus loin, il se prosterna contre terre et il priait pour que, s'il était possible, cette heure passât loin de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint. Il les trouva en train de dormir. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller une heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il s'en alla de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. De nouveau, il revint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux étaient alourdis. Ils ne surent que lui répondre. Une troisième fois, il revint et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. » C'en est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre est tout proche. Verbum Domini. Laus tibi Christi. Oremus ut consortes cum Christo in tribulationibus et gloria simus. Demandons au Seigneur de participer aux tribulations et à la gloire du Christ. Oremus. Prions le Seigneur. Domine Jésus, Seigneur Jésus, dans ce jardin, tu as connu la tristesse jusqu'à la mort. Tu n'as trouvé aucune consolation de la part de tes disciples. Donne-nous de veiller avec toi dans la prière pour participer à tes souffrances, mais aussi à ta gloire. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Levate.
le cœur reprend l'antienne. Libère-moi, Seigneur, de ceux qui se dressent contre moi. Libère-moi de ceux qui en veulent à ma vie. Quia occupa verum animam meam, ab insurgentibus in me. Le psaume 87 introduit maintenant la troisième partie. C'est la prière du fond de la détresse. Seigneur mon Dieu, je crie le jour, je gémis la nuit devant toi. Que ma prière vienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes sanglots. Car mon âme est rassasiée de maux. Ma vie est au bord du Shéol. Déjà compté comme descendu dans la fosse, je suis un homme fini. Exclu parmi les morts, comme les tués qui gisent dans la tombe, eux dont tu n'as plus souvenir, ils sont retranchés de ta main. Tu m'as mis au tréfonds de la fosse, dans les ténèbres, dans les abîmes. Sur moi pèse ta colère, et tes houles, tu les déverses. Tu as éloigné de moi mes compagnons, tu as fait de moi une horreur pour eux. Je suis enfermé, je ne puis sortir, mon œil est usé par le malheur. Libère-moi, Seigneur, de ceux qui se dressent contre moi, libère-moi de ceux qui en veulent à ma vie. La deuxième partie du psaume est lue en hébreu. Adonai Elohei Yeshuati, Yom Tzahti Balaila Negdecha, Tavole Fanecha Tefilati, Ateos Necha Lerinati, Kisava Bereot Nafshi, Vechayai Lish Oligio, Nechashvati Im Yordei Vor. הייתי כגבר אין אייל, במתים חופשי כמו חללים שוכבי קבר אשר לא זכרתם עוד ואמה מידך נגזרו. שתני בבור תחתיות במחשקים במצולות, עליי שמחה חמתך וכל משבריך הנית סלע. הרחכת מידיי ממני, שתני תאובות למו, כלו ולא אצא. איני דאבה מני עוני, קראתיך אדוני בכל יום, שיתחתי אליך כפיי. על המתים תעשה פלא, אם רפאים יקומו יודוך סלע. היספר בקבר חסדך, אמונתך באבדון. היוודא בקושך פילך וצדקתך בארץ נשייה. ואני אליך, אדוני, שיבתי, ובבוחר תפילתי תקדמך. למה, אדוני, תזנח נפשי, תסתיר פניך ממני? אני וגובע מנוער, נשאתי ימיך אפונה. עלי עברו חרוניך, באותיך צמטוטוני, סבוני כמים כל היום, הקיפו עלי יחד, הרחכת ממני אוהב, וראה מיודעי מחשך. Libère-moi, Seigneur, de ceux qui se dressent contre moi. Libère-moi de ceux qui en veulent à ma vie.
C'est l'évangile de l'arrestation de Jésus qui est lu maintenant dans la version de Saint Matthieu en arabe. Pansio Domini nostri Gesù Cristo secondo Matteo. Enquanto Gesù ainda falava, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des douze, et avec lui une grande bande, nombreuses armées de glaives et de bâtons, envoyées par les grands prêtres et les anciens du peuple. Or le traître leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt il s'approcha de Jésus en disant: salut, Rabbi. Et le baisa. Et Jésus lui dit: ami, fais ta besogne. Lors s'avançant, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Et voilà qu'un des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, le dégaina, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Jésus lui répondit: rengaine ton glaive. Tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Penses-tu que je ne puisse faire appel à mon Père, qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges? Comment alors s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit aux foules: suis-je un brigand pour que vous soyez sortis contre moi avec des glaives, des bâtons pour me saisir? Chaque jour, j'étais assis dans le temple à enseigner. Vous ne m'avez pas arrêté. Or, tout ceci pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Como ao ladrão saístes para prender-me com espadas e paus, eu sentava no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, abandonando-o, fugiram. Verbum Domini. Laus tibi Christi. C'est la version de l'arrestation de Jésus qui est lue maintenant dans l'évangile de Saint Marc. Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Marcum. Et aussitôt, comme il parlait, se présente Judas, l'un des douze, et avec lui une bande armée de glaives et de bâtons, venant de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Le traître leur avait donné ce signe convenu: celui que je baiserai, c'est lui. Arrêtez-le, emmenez-le sous bonne garde. Et aussitôt arrivé, il s'approche de lui en disant: Rabbi, et le baisa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Alors un des assistants, dégainant son glaive, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. S'adressant à eux, Jésus leur dit: suis-je un brigand que vous soyez venus contre moi avec des glaives, des bâtons pour me saisir? Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple à enseigner. Vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Et l'abandonnant, ils s'enfuirent tous. Un jeune homme qui le suivait, n'ayant pour tout vêtement qu'un drap, fut saisi. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Verbum Domini. La version de l'Évangile selon Saint Luc qui nous rappelle l'arrestation de Jésus.
Comme il parlait encore, survint une bande. À sa tête marchait le nommé Judas, l'un des douze, qui s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait arriver, les compagnons de Jésus lui demandèrent, « Seigneur, faut-il frapper du glaive ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et lui dit, « Laissez, cela suffit. » Et lui, touchant l'oreille, il le guérit. Jésus dit à ceux qui s'étaient portés contre lui, les grands prêtres, les chefs, les gardes du temple et les anciens, « Suis-je un brigand pour que vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons ? Alors que chaque jour j'étais avec vous dans le temple, vous n'avez pas porté la main sur moi, mais c'est votre heure et le règne des ténèbres. » Lo prendieron, se lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Ils le prirent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Oremus ut per amoris vincula servire Christo gaudeamus. Prions pour obtenir la joie dans le service du Christ. Prions à genoux. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as livré volontairement ta vie aux mains de tes ennemis. Libère-nous des attaques du malin pour que nous trouvions la joie de te servir, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Levate. Le cœur chante l'antienne. Père, s'il n'est pas possible que ce calice passe devant moi sans que je le boive, que ta volonté soit faite. S'il n'est pas possible que ce calice passe devant moi sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Amen.
Jésus accepte de boire le calice que le Père lui a préparé. Il accepte de faire la volonté du Père. Que ta volonté soit faite. Des versets du psaume 22 qui est de notre méditation, le psaume qui parle des souffrances, mais aussi de l'espoir du juste. Fratres carissimi, hic. C'est la prière universelle maintenant qui conclut cette célébration. Unissons-nous à la prière du Christ qui a imploré et qui a supplié celui qui pouvait le sauver de la mort. Pour l'Église divisée à cause de nos péchés, afin que le don de l'Esprit Saint réalise enfin l'unité des chrétiens. Que le Rédempteur du monde qui a prié sur la croix, intercède auprès du Père pour tous les hommes. Prions. Pour tous ceux qui connaissent l'amertume de l'abandon, de la solitude, pour tous ceux qui souffrent, pour les malades, pour ceux qui sont en prison, prions le Seigneur. Pour qu'il donne la paix, la justice, la liberté et l'amour fraternel à tous ceux qui vivent en ce monde. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob laisse luire son visage sur le peuple d'Israël et lui révèle Jésus comme le Messie qui l'attend. Pour que les chrétiens trouvent l'unité que Jésus leur a enseignée. Dominum de precemur. Pour que les musulmans découvrent dans la foi et dans la charité des chrétiens une lumière sur leur route qui les oriente vers le Dieu unique qui pardonne et qui sauve. Pour que dans un monde sécularisé, les chrétiens soient les témoins du Christ vivant. Prions le Seigneur. Tak jak Chrystus poddał się woli Ojca.
pour que tous les chrétiens puissent arriver à la gloire de la résurrection après avoir accepté de vivre la passion de Jésus, le Messie. Concluons maintenant avec la prière que le Seigneur nous a enseignée. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo. Le custode de Terre Sainte donne maintenant la bénédiction finale à tous les participants. Dieu, le Père des miséricordes, vous a donné un exemple dans la passion de son Fils unique. Qu'il vous bénisse dans le service de vos frères et dans le service du Christ. Qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle à vous qui connaîtrez la mort temporelle. Vous qui avez suivi le Christ dans son humiliation, vous serez participants également de sa résurrection. Benedicat vos omnipotens Deus, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Spiritus Sanctus. Amen. Allez en paix, nous rendons grâce. In pace. Le chant final célèbre la croix. Aujourd'hui, du grand roi, l'étendard va marchant, où l'auteur de la chair vient sa chair attachant. Aujourd'hui, de la croix resplendit le mystère, où Dieu souffre la mort pour les mortels. Du flanc du Christ, étant du fer atteint, sort le ruisseau vermeil qui les crimes éteint. Céleste lavement des âmes converties, mêlant de sang et d'eau ces ondes. Maintenant s'accomplit aux yeux de l'univers l'oracle que David inspira dans ses vers.
chantant ces mots sacrés sur les tons de sa lyre. Dieu, par le bois, a planté son empire. Noble et trophée illustre et glorieux, orné du vêtement du roi victorieux, plante du ciel chéri et des anges chantés, pour toucher de sa chair la dépouille sacrée. Chers téléspectateurs, merci pour votre participation à la prière de l'Église de Jérusalem à Gethsémani. Bonne semaine sainte et bonne fête de Pâques. Vous savez sans doute que les Juifs se saluent à Pâques l'an prochain à Jérusalem. C'est par ce même souhait que nous terminons cette heure sainte, l'an prochain à Jérusalem.